Et salut à tous les frérots, salut à tous les légendes, vous me voyez en compagnie de Goku, Namek, Zenkai pour aller le jouer et le tester vraiment parce que c'est vrai, il y a quelqu'un qui m'a dit en live tout à l'heure, mais il a obtenu son nouvel équipement unique donc pourquoi pas aller tester ça et c'est ce qu'on va faire et moi j'ai pas mal parlé du perso et du coup c'est plutôt cool de pouvoir le retester, on va le jouer en saga Namek donc je pense que offensivement ça risque d'être assez exceptionnel. Et ce n'est pas un cheat code. Je ne le cheat code pas pour l'instant. Je sais, vous allez tout le temps à me demander le cheat code de Goku Namek, s'il te plaît, s'il te plaît. Je vais le faire, les gars. À une condition, je le fais. En fait, je vais mettre une condition hyper dure, comme ça on ne l'aura jamais. C'est qu'on atteigne les 1000 pouces bleus et que ceux qui ne sont pas follow, ils follow. Voilà, c'est la seule question. Bon, je pourrais pas les follow, voilà, mais au moins qu'il y ait 1000 pouces bleus. Et si possible, que les gens qui ne sont pas follow, follow la chaîne. Dans ce cas, je le ferai parce que c'est hyper dur à faire. Pourquoi c'est hyper dur à faire le cheat code de ce perso? Vite fait pour en parler, c'est pas le sujet, mais c'est qu'il a une transfo relativement longue. C'est-à-dire que tu peux le transfo au bout de 15 secondes. C'est-à-dire qu'il faut tempo. Après le transfo, revenir sur Bardock et cheat code et revenir sur lui. Enfin, c'est une. C'est une calamité complète. Alors par contre, offensivement, ça risque d'être n'importe quoi. Parce que regardez, déjà les étoiles que j'ai sur le perso, j'ai les 12 étoiles. Donc si je redrop un doublon plus tard, s'il y a 1000 PZ, je vais passer 13 étoiles. Donc bientôt 14 d'ailleurs, parce que le perso a 14 étoiles, il y a une excellentissime cap Z. Une cap Z bleu CN et 35% double ligne offensive. Donc ça, c'est évidemment extrêmement fort. Mais regardez les stats qu'il a déjà le perso. Je l'ai évidemment 1400%, 315 000 d'attaque Kikoa, 3 millions de force, 184 000 et 186, 187 à 14 étoiles. Enfin, c'est juste n'importe quoi. Je pense que ça doit être quasiment les meilleurs stats du jeu. Mais par contre, d'où le fait que ce que j'aime bien, c'est les Zenkai des persos transfo. D'où le fait que pour moi, c'est juste trop bien pour ça. Parce que comme Piccolo, ils ont des stats de taré après. Ils ont des stats de taré. C'est pour ça que c'est cool d'avoir des Zenkai de personnages transfo. Donc, bah voilà, moi j'ai envie de retester un petit peu le perso avec sa spé, tout ce qu'on connaît, etc. Et on va le jouer donc dans cette team là. La cap de Zenkai de Bardock, comme on fait avec plein d'autres persos. On va sans doute jouer très souvent Krillin. Moi j'aimerais bien jouer Krillin, Vegeta Ultra et Goku Namek. Sinon, on jouera Krillin, Full Power, notamment face à Future, et Goku Namek pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc, vous avez compris, les gars, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, et à vous abonner. Et encore une fois, partagez tout ça dans l'espace commentaire, partagez notre passion autour de Dragon Ball et de Dragon Ball Legends, et surtout autour de ce Goku Namek qui a une fanbase assez exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il y a quand même sacrément du monde qui surkiffe ce Goku Namek, mais vraiment, il a une fanbase autour de lui qui est juste, c'est n'importe quoi. Bon allez, c'est parti, on arrête de parler. Bon les gars, le nouvel équipement, on l'a en S, donc ça reste quand même correct. Et il y a également son équipement éveillé, donc son équipement éveillé qui donne un bonus de dégâts et de défense face au LOE. Donc moi je dis pourquoi pas. Par contre là, je peux pas trop partir en double violet parce que full power. Full power face à double violet, ça va être plutôt suicidaire. Ouais non, on peut pas. On va partir clairement comme ça. C'est ce qui me paraît le mieux parce que comme ça au moins full power avec le bonus de Krillin, ça peut être sympa aussi potentiellement. Et je pense que c'est limite la meilleure chose à faire pour nous, sinon ça va être compliqué. Bon les gars, il a clairement la team plus ou moins parfaite en vrai pour nous embêter. Donc ça va pas être facile pour nous en vrai. On met full power ici directement pour pas prendre trop de dégâts sur Krillin. De toute façon on peut pas se permettre et voilà. Défensivement la team elle est éclatée. Je peux rien faire. Oh là 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 là, s'il me spé là sur Goku. Oh là 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 là. Alors laisse-moi prendre. Allez, tiens. Ouah, défensivement notre team. Éclaté. On a une team éclatée. Ah non, défensivement c'est éclaté. Non. Ouah, Krillin. Et c'est pas mal ça. Hein. Et c'est pas mal ce qu'il est en train de faire là. Ok. Ok, on va mettre l'aspect ici, même si j'aurais préféré la garder, mais bon, vas-y. Ok, on esquive ça. Transfo Goku Namek. On réesquive derrière. On remet Krillin. Et on fait attention au Perfect Dodge. Hein. Ok, parfait. Krillin! Ok, Krillin qui ne va pas mourir des mains de Freezer violet en tout cas. D'un autre Freezer peut-être. Pas de Freezer violet. Ok, j'ai voulu break ici, trop peur de son full power. J'aimerais bien pouvoir switcher une dernière fois. Oh oui. Ok, ça c'est cool ici. On va pouvoir mettre un petit peu de pression avec Freezer full power là. Même s'il m'a détruit, donc bon, c'est pas terrible qu'il ait détruit les cartes là. On va se frag direct. Oh là 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 là, mais quel giga move! On vient faire un giga move! On vient de faire un giga move! On appelle ça un giga move dans le métier.
Ok, ça c'est fort, on l'a surpris, ça c'est cool vraiment. Pas se faire contrer. Ok. On va tenter le fameux truc de Goku Namek main. Parce que là pour l'instant Goku Namek a pas fait grand chose en vrai. Mais bon, en même temps c'est le but de Goku Namek, hein. Donc Krillin est pas mort pour l'instant. Et merde. Ok. Wouah, il dégage qui me fout peur. Allez hop. Ok, Krillin n'est pas mort, je rappelle juste, hein, parce que normalement il faut que Krillin meure, mais bon, bah, oh là là, il est dans la sauce. Ultime. Allez hop. Full power. Allez pour le flow. Non, allez, j'ai des poufons, mais Goku Namek, mais non. Parce qu'on a un peu. Il y a moyen qu'on ait le kill ici. Peut-être avec full power, on tente avec Goku Namek. Ouais, largement. Ouh là là. Première game plutôt sympathique. Il a mis une tarte à full power. Et Krillin n'était même pas mort. Hein. Vraiment, Krillin n'était pas mort. Offensivement, notre team, elle est incroyable. Et déjà, d'ailleurs, quel flow de voir Goku Namek gagner face à une team avec avec des LOE, c'est vraiment magnifique. Bon, la vérité, c'est qu'on n'a pas le pire match-up face à PPP. Le seul truc en vrai, c'est que j'ai envie de partir comme ça. Parce que le fait de prendre full power, c'est vraiment fort. Le perso, j'aime bien. Hein. Franchement, full power très fort. Vous avez vu ce qu'il a fait dans la game d'avant, c'est énorme. Mais le problème, c'est que face au tag, on va le perdre trop rapidement. Et on n'aura rien pour l'empêcher en fait de le perdre. Parce que notre team, encore une fois, elle est full offensive. Il n'y a rien de défensif. Est-ce qu'on se rend compte des KZ offensives de ma team quand même? C'est vraiment important d'en parler ça quand même. Ok, donc là, waouh, Vegeta Ultra vraiment dans la team. Vegeta Ultra dans la team, c'est fort. Hein. Vraiment, Vegeta Ultra en Saga Namek, c'est d'une violence absolue perso. Trop d'augmentation. Le problème, c'est que là, Goku Namek, bah, la transfo, elle est loin d'être là pour l'instant. Et en plus, ça, on n'est pas en cover. Donc là, on va prendre très cher. Je pense. Encore, ça va, ça reste correct. Ça passe pas, ça. Waouh, si ça passe dans le compte, putain. Waouh, j'aurais bien mes transfo avant. On va main ici si jamais il fait une action verte. Toi aussi, il me détruit ma verte. Mais bien sûr. Mais bien sûr, bah oui, bien sûr. Évidemment, j'avais pas pensé. Hein. Ok, nice. Ah ouais, ça peut être cool. On va mettre le main ici, je pense que. Enfin, l'ulti, pardon. En fait, s'il fait une action avec le tag derrière, on peut le spé contre. Wow, les gars. Ok. Oh là 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 là, comme il l'arrache. Et donc, en termes de dégâts, c'est quand même quelque chose. Ok. Bah, merci. Bon, alors, rien. Mais... J'ai pas envie de dire qu'on a gagné, mais bon, voilà. Et la PPP, les gars, la PPP. Même pas besoin d'aller chercher le main spé, je sais pas quoi. On a mis le kill très rapidement et vraiment trop stylé de jouer Vegeta Ultra. Le Krillin, je trouve vraiment joli. Sa position, elle est trop belle. Et Goku Namek, j'avoue, par rapport à ce que j'ai pas mal dit, là, j'avoue qu'il est vraiment violent. Parce que mettre face à PPP, c'est fort. Par contre, encore une fois, ma team est full offensive. C'est-à-dire que c'est pas la même chose que si tu joues en Saiyan. Il ferait évidemment moins de dégâts. Et encore, on a même pas eu le temps de vraiment le proc à mort en fin de game et tout. Ça reste un match-up bien moins. Glorieux pour nous, match-up, pas moins match-up, parce que tout simplement double violet c'est pas possible parce qu'il y a double jaune en face, en plus c'est 18 et tout, il n'y a pas de rouge, bon en vrai il n'y a jamais de rouge, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas le match-up genre que j'ai l'impression qui est incroyable pour nous. Allez, c'est parti. Bon, quelqu'un qui connaît mes vidéos, en vrai ça veut rien dire du tout, ça veut rien dire du tout. Allez, deux une cover strike en face, on prend. Ouah, la tarte. Oh là 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 là, mais full power. Arrête. J'arrive pas à trouver le son qu'il me faut en fait. J'ai l'impression que là mon son est trop fort, donc on va le baisser et baisser le micro. Sympa les dégâts. Ok, il me lock avec l'aspect. Bon, j'espère qu'on est pas mort. Y aller. On est encore lock, une seconde, ça va. Et franchement, heureusement que j'ai pas pris un risque ici, je serais mort. Bon, 3,5 d'HP, ça par contre ça reste quand même relativement fort. Ce qui va être fort aussi, c'est qu'on va mettre Krillin. Verte. Main. Freezer full power spé. Ça c'est fort. Hein. C'est pas les dégâts peut-être escomptés, mais ça reste correct. Ok. Je sais que vous attendez tous que je perde un perso là.
Je sais que vous attendez tous que je perde un perso. Là, vous avez envie que je perde le perso, hein. Parce que vous avez dit comme ça, coucou d'un mec derrière, il va être fort. Mais hey, prenons notre temps ici. On est là pour gagner quand même. En vrai, si j'attrape là, let's go. Mais par contre, c'est malin. Vas-y, on est trop gentil, on doit rasiner. Oh. Oh là là là. Oh, par contre, les dégâts là. Du perso, je pense qu'on va perdre Krillin là. On va strike, ok, parfait. En plus, on a proc l'esquive, c'est royal. Destruction du Dragon Ball ici. Oh non, ah, il a grid. Oh, le grid, comme il vient de grid, les gars. Moi, je crois que non, peut-être pas quand même. Je sais même pas, je sais même pas ce qu'on a kill. Hein. J'ai mal joué, ça passe pas. Bon bah, il s'est fait bait, ça passe pas dans le combo. LF de Goku là mec, ça passait pas du tout. Bon, je suis choqué. Je suis choqué parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que il met vraiment trop de dégâts dans cette team. C'est n'importe quoi en fait. Quand il est en place, et encore il était pas non plus méga en place. Mais là l'aspect, quand Krillin il est mort et tout, là quand je vois les dégâts de l'aspect, on le sait pas, mais waouh. Et Cyborg en face, il y avait 2 caps d'HP. Franchement, vraiment le match-up exactement pareil que tout à l'heure. Donc bon bah j'ai rien à dire de plus, mis à part qu'il y a Freezer Rouge, mais bon je ne le vois pas être joué. Donc bah il est parti exactement sur la même chose. Mais vraiment on est tombé sur 2 jumeaux. On vient de tomber sur littéralement 2 jumeaux. La différence c'est que là on est un peu mieux dans la game. Donc ça c'est cool pour nous. Allez Freezer. Ok. Carte verte pour réduire le temps d'attente des alliés. Ça c'est fort. Et en vrai, il nous aurait fallu une petite peur en main, mais bon, c'est pas grave. Bon, bah, la dernière. En vrai, on est dans la merde. Si, on est dans la merde. Si. On n'a pas le choix. C'est triste, mais on n'a pas le choix. Au moins, derrière, on n'est pas mort. Mais bon, là, encore comme tout à l'heure. Ça va. Il a mis même un petit peu moins de dégâts que tout à l'heure. La main. Il va main, il va spé ou verte. Un des deux. J'avais le choix. Ok. On peut déjà. Oh, j'allais dire remettre Goku Namek. Fanny. Ah, SP, mange ça. Ah putain. Je sais pas si c'est une bonne idée de main tout de suite. Sincèrement, je pense pas. Mais... La vie de Wam, c'est moi qui ai Goku Namek. C'est moi qui suis plus offensif que lui. C'est incroyable. Wow, c'est du contre-type. D'accord, bah je ne savais pas. Bien joué, parce que là j'avais bien tempo. C'est pas pour me frimer, pour frimer ou quoi, mais pour le coup j'avais bien tempo. Bon, je pense que on n'est pas mort si lui utilise tout de suite. Ok. Ouais, bon, en face, fais un effort. En face, fais un effort, mon frérot, parce que bon. C'est un petit peu moi qui attaque beaucoup, quoi. Après, je me jette, c'est vrai. Ok, bon, ça c'est cool ici, parce que là, pour le coup, je pense qu'on a un kill. Hein. Je pense qu'on a un kill quasiment sûr. Ok, bon, il nous détruit les DB, mais c'est pas trop grave en vrai. Ça c'est trop bien. Le problème c'est que cover blast derrière. Hein. Et oui. Et derrière blast aussi. Wow, SP pardon. Allez. Goku Namek. Let's go Goku Namek. Allez, prends pas le kill. Ah c'est on a là, ouais parfait. On a la Dragon Ball qui arrive derrière. Let's go, il est en train de déchirer. Il est en train de déchirer la team. Là, ce qu'il faut faire, les gars, je rappelle, il se soigne de 50% le perso. Oh là là. De 50% lorsqu'il est tout seul en fin de game. Donc, du coup, bah. Je pense que. On va évidemment laisser mourir Freezer full power. Ce qu'il faudrait vraiment, c'est lui faire jouer sa TP. Le problème, c'est qu'il doit avoir le RR en vrai. Hein. Je m'en rappelle plus, mais je pense qu'on n'a pas donné Krillin sur le RR. Allez, let's go.
Let's go, il se sentait obligé d'attaquer mais en même temps pas trop et on va remporter cette game avec une énormissime spé. Alors Krillin n'était pas mort, la spé, le contre-type de Freezer 14 étoiles en LE opti, c'est juste n'importe quoi. Mais vraiment, Goku Namek, la spé contrée, c'est n'importe. Je connais pas beaucoup de persos qui sont capables de mettre une spé aussi violente à contre-type. Je n'en connais pas. Sincèrement, même Gogeta Ultra il fait pas aussi mal que ça. Là c'est un step encore au-dessus parce que là on est sur un vert. C'est quand même pas n'importe qui Freezer vert, hein. C'est pas le perso le moins tanky de la Terre. Ok les gars, on est face à PPP avec Gogeta Ultra. Donc c'est une nouvelle version hein, évidemment. Mais Gogeta Ultra dans toutes les teams on connaît. Du coup ça veut dire qu'il va pas prendre le SV. Bon par contre le tag est 13 étoiles. Donc autant vous dire, en fait on va se faire attraper et on va se faire éclater. Si on se fait attraper, on va se faire éclater, on sait. Par contre, on peut aussi montrer des choses plutôt bien de notre côté offensivement. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire avec le Vegeta Ultra en première position, on va dire. C'est lui qui va mettre les vrais dégâts au début. Et Goku Namek ensuite. Oh, allez, que faire, mis à part bien jouer, mettre la question. Oh, bien joué ça. Hein. Bon bah là on est dans une sauce. Ça va, Goku Namek est vraiment bon défensivement hein. Franchement ça c'est vraiment très fort par contre. Parce que là il nous permet presque de nous sauver la game. Parce qu'on prend pas si cher que ça. Donc ça c'est cool. Si elle me faire le même move, ouais, ce move est incroyable. Ok, allez gagne le Clash Blast OP. Ok, 700. Alors je m'en fais des clashs de merde mais je crois que notre adversaire est plutôt et pire en fait, tout simplement. L'aspect, même si je l'aurais bien gardé pour surprendre avec Goku Namek. Ouah, mais quand tu vois les dégâts qu'elle met, évidemment. Ok, carte verte. Booster la team. Ok, ça bouge pas en face. Ça bouge pas en face, nous on est en place. Ah, j'ai mal joué. C'est pas lui que je voulais donner de base, mais bon, c'est pas grave. J'ai mal joué, j'étais pas situé dans mes persos. Si on compte, ça serait excellent. Okay. C'est pas le cas. Bon, on a pas mal joué sur ce move là, mais surtout l'adversaire qui a mieux joué que nous en vrai. En plus, on s'est pas jeté, donc ça c'est cool. Ok. Après, il a eu le RR un peu vite. Après, bon, avec, en vrai, avec le sable, c'est normal. C'est normal. Sans le sable, il aurait pas eu son RR déjà. Et pourtant, j'ai changé ma tempo par rapport à tout à l'heure, mais. Ça n'a absolument pas dérangé notre adversaire. Bon, il joue bien. Il joue très très bien. On va balancer la Kiko ici fond de map pour avoir le RR peut-être proche avec l'aspect. Mais dans tous les cas, bon, le 1v3. J'aime bien les 1v3, hein, mais bon, c'est pas possible. Je vous dis, c'est. Alors que le dispel vienne maintenant, ça m'arrange. Quel goat en face. Mais alors, quel goat, hein, par contre. Hein. Il m'a mis une tempo les frères. Minato ! Minato. Incroyable. Incroyable. J'en ai marre. Ok. Oh ! Non ! Oh bah c'est pas grave. Oh, let's go! Incroyable ce qu'il a fait là-dessus. Mais c'est quoi cette game? Ah non, mais par contre, cette dernière game, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Incroyable. Ah, je mets l'aspect derrière. Oh là là, mais le kill sur Gogeta. Waouh, bah par contre dans cette team là c'est une brute mais exceptionnelle. Bah tant mieux, vous savez quoi, on a la game parfaite pour finir. Le 1v3 de Goku Namek que je dis impossible. Alors franchement il met le Gogeta en cover. Je ne pensais pas du tout le tuer hein. Mais alors pas du tout. On l'a mais endormi, puissance incroyable. Je rappelle, ce n'est pas une spé contre. Ça aurait été une spé contre. Je me demande ce qui aurait pu se passer. Et même derrière ce qu'on a mis, par contre c'était une spé contre. Par contre sur le tag, on a fait one shot. Enfin, waouh. Waouh, 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 offensivement cette team là c'est incroyable. Si vous avez à jouer Goku Namek, je pense pour vous faire plaisir c'est dans cette team là. Et bah après bon voilà je l'ai 12 étoiles. Je l'ai 12 étoiles aussi, bon forcément ça joue. En tout cas merci à tous d'avoir été présents et on se dit à très très vite. Ciao.